Chers frères et sœurs, sans transition, nous allons ouvrir la Bible pour y lire un passage qui nourrira notre méditation ce matin. C'est dans l'Évangile selon Marc. L'autre Marc et moi-même allons faire résonner quelques paroles de ce premier chapitre. Pour ma part, je vous lirai les trois premiers versets. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. J'aurais dû vous prévenir que c'était assez rapide. Nous allons pouvoir commencer à faire résonner ces paroles avec ce cantique de Noël dans le recueil de chants Louanges et prières. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de Ô peuple fidèle et nous nous levons bien entendu pour chanter. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir vraiment ta parole, de pouvoir la partager comme on partage le pain, entre nous, en famille, entre amis. Thank you.
Chers frères et sœurs, nous l'oublions assez souvent, mais juifs et chrétiens ont en commun d'attendre la venue du Messie. Le judaïsme attend la première venue du Messie, tandis que les chrétiens attendent son retour. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que ces religions se partagent en deux mêmes catégories. Ceux qui considèrent que c'est le retour du Messie qui provoquera le surgissement de ce qu'on appelle le règne de Dieu dans la Bible, autrement dit de cette ère de paix, de ce moment de la vie où enfin chacun pourra vivre sous son figuier, avoir trois repas par jour, et je vous laisse décliner toutes ces catégories dont Martin Luther King s'était fait le chantre. Il y a donc ceux qui se disent que cela n'arrivera qu'à la condition que le Messie vienne, et d'autres, l'autre école, qui considèrent que c'est l'instauration de la justice sociale, l'instauration d'un temps de paix, l'instauration d'une paix universelle qui permettra la venue du Messie, du Christ, pour le dire dans la langue grecque. Voilà donc deux écoles. Et à vrai dire, je serais bien curieux de savoir où nous campons les uns et les autres. Savoir si nous sommes plutôt de la première école, c'est le Christ qui irrésistiblement arrivera et changera notre monde, ou de la deuxième école, c'est nous qui permettrons l'advenue du Christ. À vrai dire, cela peut sembler un débat purement théologique, mais cela a de véritables conséquences sur notre vie quotidienne. La première école est une école de l'attente passive. Elle pose que la grâce de Dieu est tellement essentielle, tellement primordiale, tellement première, tellement décisive, qu'elle l'emportera sur toutes nos résistances, sur toutes nos volontés rebelles, comme disent quelques cantiques, sur toutes nos bassesses. Le Messie viendra à l'improviste, tel un voleur, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et son action sera irrésistible. Que vous le vouliez ou non, sa venue métamorphosera notre vie et notre monde. C'est le Christ qui, en arrivant, ainsi imposera son shalom, la paix, cette quiétude, ce bien-être intérieur, cette relation harmonisée avec notre environnement. Et cela arrivera que nous le voulions ou non. Dieu est Dieu, et ce n'est pas nous qui pourrons y changer quoi que ce soit. Alors cette première école, cette école de l'attente passive, a le mérite effectivement d'insister sur le caractère déterminant de la grâce de Dieu. Et en protestantisme, insister sur la grâce, voilà qui est plutôt heureux, me direz-vous. C'est aussi relativiser la part de l'homme dans son propre salut, ce qui semble être un thème assez calviniste. Et en tous les cas, c'est une façon de récuser le fait que l'homme puisse susciter par ses seules forces ce matin éternel où il saura reconnaître en tout homme et en toute femme un frère, une sœur. Cette école présente deux inconvénients majeurs. Sur le plan éthique, tout d'abord. Sur le plan éthique, cette attente passive du Messie a tendance à déresponsabiliser l'homme. Après tout, si nous n'y pouvons rien, pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi entreprendre quoi que ce soit? Mangeons et buvons, car demain le Messie viendra. Et du coup, c'est une façon d'attendre le Messie qui a tendance à favoriser le croisement de bras plutôt que de nous encourager à retrousser les manches. Après tout, des fois ce n'est peut-être pas plus mal parce que nous avons parfois des manières d'agir qui ont tendance à bien entraver la justice, à bien entraver l'amour pour tous. Mais
Sur le plan éthique, n'est-ce pas nous déresponsabiliser que de considérer que tout est à Dieu, tout vient de Dieu, et que nous n'avons qu'à subir et accueillir? C'est une question que je vous laisse. Sur le plan historique, ce n'est pas sans poser problème non plus. Cela fait quand même des siècles et des siècles que l'on pourrait espérer que le monde soit autrement plus vivable qu'il ne l'est encore actuellement. Je vous épargnerai la liste de toutes les unes des journaux qui pourraient émailler notre aujourd'hui, mais il y a des horreurs qui se commettent partout et ici. Alors on peut s'interroger sur le bien fondé de cette attente passive. Est-ce que ce n'est pas une sorte de machine à détruire toute forme d'espérance? Parce que si c'est au Messie de venir inéluctablement et qu'il ne vient pas, n'est-ce pas une bonne raison pour cesser de croire? N'est-ce pas une bonne raison pour cesser de penser que Dieu veut notre bien et que le Messie est le bras armé de ce Dieu bienveillant qui ne nous laisse pas tomber? Il me semble que c'est cette question-là que l'évangéliste Marc assume dès le début de son évangile. Il me semble qu'à travers ces trois versets, c'est cette question que Marc nous pose, se pose et nous pose. L'avènement du royaume de Dieu, de ce temps béni, de ce kairos, dépend-elle ou non de notre engagement? Dépend-elle ou non de l'action des hommes? Et il me semble que c'est sur cet aspect qu'il ouvre son évangile, en se référant à une double promesse, celle du prophète Ésaïe et celle du prophète Malachie. Un homme qui crie dans le désert pour frayer le chemin du Messie, c'est une chose. Et un homme qui appelle à préparer les chemins du Seigneur. Voilà qui ne ressemble pas tout à fait à une attente passive. Il me semble que Marc se positionne plutôt en faveur de la seconde école. Et en principe, je devrais vous laisser libre de choisir votre école, mais je ne saurais trop vous engager à suivre la voie de Marc, celle qui favorise une attente active. Oui, le Messie doit venir, mais il ne pourra advenir sans que nous lui ayons fait une place pour l'accueillir. Seul Dieu peut faire des miracles. Encore faut-il que nous apportions 5 pains et 2 poissons. Marc ne sous-estime pas l'action décisive de la grâce. Il ne fait pas comme si nous étions à hauteur de Dieu, ou que Dieu n'était finalement qu'une sorte de marionnette. Ce qu'il révèle, c'est que la grâce peut être mise en échec. Elle peut être mise en échec si nous la mettons en échec, ou si nous ne faisons rien pour qu'elle puisse frayer son propre chemin. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez sa voie, lance-t-il à notre face, nous qui parfois faisons preuve d'une forme d'irresponsabilité. Ne croyez pas que cette grâce est irrésistible. Regardez l'histoire. Songez à votre propre histoire. N'entravons-nous pas en bien des occasions cette grâce, cet amour qui devrait faire reverdir tous les déserts de notre existence? Marc ne fait pas référence explicitement à Bethléem. Vous l'avez entendu, il n'y est pas question du petit Jésus qui naît dans l'étable. Il a donc été heureux que nous chantions le cantique au peuple fidèle pour nous souvenir de l'événement. Seulement, c'est bien de Noël dont il est question dans ce début d'évangile. Mais pas simplement le Noël résumé à cet homme, Joseph, à cette femme, Marie, qui mettent au monde ce nouveau-né Jésus. C'est le Noël universel, ce Noël qui désigne la venue au monde du Messie, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Marc ne réduit pas cet événement Noël à ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années.
Il le rend présent et possible encore aujourd'hui, ici même peut-être. Il parle de Noël au sens de cette histoire de Dieu qui essaie de se frayer un chemin dans notre histoire, souvent broussailleuse, souvent accidentée, où il faut tantôt creuser des tunnels dans les montagnes infranchissables, tantôt combler les fossés par des ponts qui relient les hommes. Nombreux sont les ecclésiastiques qui disent que Noël, c'est de faire tomber quelques murs et de dresser quelques ponts. Je souscris à leurs propos. Songeons à Noël, le Noël de Bethléem, celui que nous avons tous en tête, le petit dôme qui vient à naître. Eh bien, en fait, cette histoire-là est extrêmement précaire. Sans vouloir faire une provocation inutile, songez que Marie aurait pu être stérile. Songez que Marie aurait pu faire une fausse couche. Songez que cette jalousie maladive d'Hérode aurait pu conduire à la mort de Jésus enfant. Et ce n'est pas parce que Jésus était déclaré Messie par décret divin qu'il a échappé à tous ces drames. Mais c'est bien une conjonction de différents éléments, de différentes actions, de différentes intentions qui permettent à Jésus de venir au monde, de grandir en grâce et en sagesse. Mais Jésus aurait pu ne pas naître. Il aurait pu ne pas grandir. Il est d'ailleurs possible qu'avant Jésus, d'autres messies en puissance n'aient pas pu venir au monde, n'aient pas pu exercer leur ministère. Et aujourd'hui encore, cette menace existe. Il est possible que nous empêchions le retour du Christ. Il est possible que nous entravions sa présence. Contre ceux qui préfèrent se croiser les bras en attendant que des jours meilleurs arrivent de façon peut-être un peu surnaturelle, Marc affirme que le Messie et le royaume de Dieu ne peuvent advenir que là où des individus espèrent activement que Dieu s'implante. Que des individus espèrent activement que Dieu fasse histoire, qu'il renouvelle de fond en comble notre vie. Et ça, c'est la grâce qui coûte. C'est la grâce qui coûte de Dietrich Bonhoeffer. Ce n'est pas la grâce bon marché, l'oreiller de paresse. Oh oui, ne nous inquiétons pas, Dieu est amour. Il saura ce qu'il convient de faire. C'est l'exigence éthique. C'est la responsabilité. C'est cette action de ces hommes héros de la foi dont les temps modernes ont reconnu l'action par l'attribution de quelques prix Nobel, par exemple. C'est nous, à chaque fois que nous nous levons pour défendre la cause de l'Éternel, à chaque fois que nous rendons praticable la voie divine, ce chemin du Seigneur, ou pour le dire autrement, peut-être de façon moins religieuse, à chaque fois que nous agissons de telle manière que nul ne soit privé d'une vie menée dans toutes ses dimensions, que nul ne soit privé de ses droits les plus fondamentaux, que nul ne soit privé de sa capacité à faire valoir ses talents, que nul ne soit entravé de pouvoir être heureux, que nul ne soit privé de sa liberté. À chaque fois que nous permettons finalement, pour le dire de manière plus théologique, à chaque fois que nous permettons à quelqu'un de pouvoir vivre totalement devant l'ultime, de rendre sa vie incandescente. Et cela, c'est l'évangélisation. Non pas la christianisation qui consiste à faire du nombre, à remplir les églises, à remplir les fichiers paroissiales, à augmenter les recettes. L'évangélisation qui consiste à rendre disponible l'Évangile, qui consiste à rendre présent Noël, non pas simplement le premier Noël, mais le Noël que l'Éternel espère et souhaite pour chacun d'entre nous. Alors, ce matin, en nous réjouissant ensemble de ce Noël, de cette belle fête de Noël,
Ce que nous faisons avant tout, c'est de déclarer que notre espérance n'est pas morte, ou qu'elle n'est pas anesthésiée, mais que nous sommes animés d'une espérance active. Nous déclarons que notre foi nous conduit à traduire l'Évangile éternel en actes, en paroles, en projets. Nous déclarons que là, maintenant, aujourd'hui et demain bien sûr, chaque action que nous menons dans cet esprit de Noël, frayer un chemin à l'éternel, aplanir ses sentiers, eh bien c'est un nouveau début d'évangile, un commencement possible de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Noël, Noël. Amen. Nous poursuivons donc notre lecture au début de l'Évangile selon Marc pour chercher comment donc le Messie nous est donné dans cet Évangile. Au verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait en disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors le baptême de Jean, nous précise l'Évangile, nous l'avons entendu, est un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Un baptême de changement de mentalité. Un baptême de changement de priorité dans notre vie. Cette évolution étant rendue possible et étant motivée par cette conviction que même si nous sommes loin d'être parfaits, Dieu n'a rien contre nous, mais il est pour nous, avec nous. Alors pourquoi donc est-ce que Jésus aurait été baptisé ainsi de ce baptême de repentance pour le pardon des péchés ? Avait-il sur la conscience des choses à se faire pardonner par Dieu ? Avait-il besoin d'évoluer dans ses priorités afin de se décentrer un petit peu du seul souci de soi-même et de penser un peu plus à Dieu et un peu plus aux autres? Eh bien, c'est ce que dit ce texte de l'Évangile.
à moins de penser que Jésus n'était pas sincère dans ce geste et que c'était une sorte de comédie, finalement, qu'il aurait joué pour montrer l'exemple ou pour faire comme s'il était un humain comme nous. Eh bien non. Jésus fait cette démarche de bon cœur, en sincérité, et nous voyons ici que cela a été important dans son expérience humaine et spirituelle. C'est ce que raconte la suite du texte donc, que je vous ai lu. C'est plus tard que les chrétiens ont amplifié la divinité du Christ au point d'en faire un demi-dieu, remplaçant souvent Apollon dans le culte, ou même de faire Jésus un dieu que l'on prie et auquel on rend un culte. Or, dans les quatre évangiles, pour une foi unanime, nous avons tout autre chose, comme nous le voyons dans l'évangile de ce jour. Jésus est réellement baptisé de ce baptême de repentance pour le pardon des péchés, de ses péchés. Jésus n'est pas appelé Dieu, mais il est appelé par Dieu lui-même, son Fils bien-aimé, un Fils qu'il a choisi, en quel il met son affection. Et si la voix de Dieu s'exprime, c'est que Jésus a besoin de l'entendre. Jésus a besoin de recevoir l'Esprit, ce souffle de Dieu, qui développe la liberté de l'homme, qui développe sa capacité à être créatif, à s'engager pour plus de justice et plus de foi en ce monde, pour préparer la venue du royaume. Ce texte nous dit que Jésus connaît de mauvaises tentations et qu'il a besoin de l'aide de la parole de Dieu pour y faire face. Et les 40 jours sont un temps de maturation pour cette expérience spirituelle et pour devenir ce qu'il va être, le Christ, que nous fêtons aujourd'hui. Alors, en quel sens est-ce que Jésus a besoin de se convertir ? Eh bien, le premier Jésus qui a un grand besoin d'être purifié, c'est la conception que nous avons de Jésus. Et c'est bien normal, car notre conception que nous avons de Jésus est composée de tout ce que nous avons entendu dire de lui. Par exemple, de ce Christ qui trône sur le portail d'une cathédrale, avec son visage de pierre, au sens propre et au sens figuré, séparant une colonne de justes bien sages et pas très rigolos, et tout un groupe de pécheurs torturés pour leurs péchés. Nous avons entendu parler de Jésus dans ses credos des siècles successifs, à partir du IVe siècle, par exemple, avec ce credo de Nicée-Constantinople. « Dieu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, descendu des cieux, et incarné par le Saint-Esprit. » Et puis notre conception de Jésus est encore faite de l'influence de l'imaginaire populaire, nourrie par des contes et des légendes, nourrie par les prédications de pasteurs trop hardis, par des pasteurs trop sages, par des cantates de Bach, par des gospels, par des influences multiples, dont nous avons fait ce que nous avons pu. Alors notre conception de Jésus doit vivre une conversion. Il faut retourner au Jourdain pour que notre Jésus y soit baptisé, pardonné et purifié. Et pour cela, il n'y a rien de tel que de relire les évangiles, mais comme si un Jésus que nous ne connaissions pas arrivait de Nazareth, et que nous nous mettions à l'écoute de ce que cela veut dire sur l'homme et sur Dieu. Nous mettre à l'écoute de la résonance que cela peut avoir avec notre propre expérience spirituelle, de cette voix de Dieu qui dit au plus profond de nous-mêmes son affection, affection sans borne pour son enfant. Alors nous pouvons avoir l'audace de cette conversion de notre conception de Jésus quand on sait, par Jésus, que Dieu pardonne. Une recherche sincère, un cœur qui s'ouvre à lui sans crainte, une bonne volonté pour essayer de mieux connaître, de mieux comprendre Jésus. Eh bien, bien sûr, nous pensons peut-être un peu des erreurs, mais cela fait infiniment plus plaisir à Dieu, cette recherche sincère, que de nous voir être imprégnés de formules toutes faites et peut-être forcés, plus ou moins consciemment, à essayer de croire des trucs par la menace d'un terrible jugement de Dieu qui va nous griller si nous ne croyons pas bien ce qu'il faut comme il faut. Il nous faut donc laisser cheminer notre conception de Jésus, la plonger dans la grâce de Dieu, dans son pardon,
la plonger encore et encore dans le pardon, dans la grâce de ce Dieu qui va jusqu'à même bénir ses ennemis et puis aider, faire du bien à ceux qui le persécutent. Encore et encore jusqu'à ce que ce soit l'Esprit Saint en nous qui nous fasse sentir, oui, oui, là, tu tiens quelque chose de ce qu'est vraiment le Christ, mon Fils bien-aimé, celui que j'aime et que j'ai choisi que pour que vous ayez la foi, finalement, et que vous ayez la vie en son nom. C'est alors la naissance du Christ pour nous. Mais l'homme Jésus, le vrai Jésus, qui descend de Nazareth avec ses sandales, dont nous ne sommes pas dignes de délier les courroies, donc, ce vrai Jésus a également eu besoin d'être baptisé, nous dit le texte. Parce que ce Jésus des évangiles, c'est pas simplement une certaine idée de l'homme idéal. Ce n'est pas non plus un extraterrestre et il n'est pas non plus une sorte d'apparence d'homme. Mais il est tiré de la poussière du sol, il est animé du souffle de Dieu comme tout homme, nous dit la Genèse. Et puisque ce texte place Jésus au milieu des animaux sauvages, nous partageons tous avec ces animaux la nécessité de devoir manger du vivant pour survivre en ce monde. Que ce soit du pain que nous mangions, c'est du blé qui a été massacré, ou des sauterelles comme Jean-Baptiste, ou une salade, ou un steak. Donc même Jésus a besoin de tuer pour vivre, et il a besoin de se sentir pardonné par Dieu. Il faut d'abord le pardon reçu pour nous libérer de la culpabilité, et pour nous libérer aussi de notre peur d'être coupable aux yeux de Dieu en avançant sur notre chemin. Il faut ensuite l'Esprit Saint et il faut le nom d'enfant bien-aimé pour que notre liberté devienne une responsabilité pour agir en ce monde. Pour que notre liberté ait pour visée l'amour, la construction d'une humanité solidaire et non pas simplement le loisir de faire tout ce qui me chante et passe par la tête. L'instinct de notre propre survie et de la survie de notre petite meute est une force et une tentation. Pour que cet instinct de survie soit une force, il faut ce cheminement que connaît Jésus devenant le Christ. Il faut au jour le jour le service de cette parole de Dieu portée par des anges de toutes sortes pour nous dire la parole d'affection et pour nous dire l'espérance que Dieu a pour nous. Et puis une nouvelle idée de la justice qui ne tourne pas forcément autour de notre nombril. La vie en ce monde est complexe et nous sommes bien souvent obligés de choisir parmi des solutions qui comprennent toutes une part de mal. C'est le tragique de l'existence en ce monde où nous sommes parmi les bêtes sauvages et en même temps pleins du souffle de Dieu. Il nous faut donc, oui, du courage pour choisir en toute liberté. Et ce courage, nous l'avons du pardon promis. Jésus, quand il choisit de guérir quelqu'un le jour du sabbat, est face à ce dilemme, à ce tragique de l'existence. Il choisit avec son cœur, avec son intelligence et avec sa foi de privilégier à ce moment-là la compassion active pour l'homme qui le supplie de venir à son secours. Mais il faut que, pour faire ce geste, il faut que Jésus assume alors le mal qu'il fait en ne respectant pas le sabbat et en laissant certaines personnes penser qu'il fait passer Dieu en second et que la priorité, c'est la santé de l'homme, la santé du corps. Eh bien donc, Jésus demande le pardon de Dieu en conscience. Et il est envoyé dans le monde porter cette expérience du pardon de Dieu et de l'Esprit Saint. Oui, nous sommes encore à moitié un animal sauvage. Oui, la vie est complexe et on ne peut pas cheminer en ce monde en gardant des mains entièrement pures et propres. Nous faisons ce que nous pouvons en essayant de faire au mieux, en sincérité. Christ est la voix de Dieu qui nous dit « Tu es, toi, mon enfant bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Et il est témoin de cette déchirure du ciel et de la proximité nouvelle de Dieu et de l'Esprit que Dieu nous donne pour que nous ayons les moyens de nous sentir et libres et responsables. Amen.